Monsieur Koulibaly qui est avec nous sur ce plateau. Alors on sait que désormais le digital est un outil incontournable et maintenant pour toute économie qui se veut évolutive, il faut l'intégrer dans les différents secteurs. Aujourd'hui c'est l'assurance qui fait le choix du digital, d'une synergie. La modernisation de l'assurance, monsieur Habib Koulibaly, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors monsieur Habib, le marché de l'assurance, on le sait, on ne le dira jamais assez, est un secteur à fort impact qui contribue grandement à l'économie. De notre pays, bien que le taux de pénétration au niveau de l'assurance de notre pays soit encore faible. Je rappelle que le taux le plus important en Afrique, c'est celui de l'Afrique du Sud. Alors vous avez décidé comme ça avec la caution bien sûr de votre corporation de passer à une plateforme. Alors c'est quoi cette plateforme qui annonce beaucoup de promesses pour l'assurance en Côte d'Ivoire? Merci monsieur Marcelin, merci madame. Vous avez bien dit, donc avant de commencer, comme j'ai dit, je voudrais véritablement dire merci, saluer toute la corporation pour la confiance effectivement qu'elle a faite à l'ESATIC et au promoteur que je suis, qui nous a permis aujourd'hui de proposer une offre à la population. L'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le 28 novembre 2017 qu'à travers une cérémonie solennelle que nous avons faite à l'ESATIC, vous allez tout à l'heure me permettre de présenter un peu cette école, parce que sans elle, on ne pourrait pas faire cette plateforme. Donc l'idée avait été admise par toute la corporation, d'une plateforme commune à toutes effectivement les compagnies d'assurance. Donc aujourd'hui, bientôt, vous pouvez aller sur la plateforme, choisir effectivement votre produit d'assurance, choisir effectivement la compagnie et payer de manière digitale. Donc voilà un peu la révolution. Il faut savoir, comme on a dit, que la population effectivement avait demandé, donc à tort ou à raison, on accusait les assureurs, bien évidemment, de ne pas présenter les produits, d'être un peu opaque. Aujourd'hui, cette solution, véritablement, vient à point nommé pour résoudre les problèmes d'accès aux produits d'assurance, mais également à tout ce qu'il y a comme protection sociale. Parce qu'il y aura tous les produits, donc automobile, voyage, habitation et santé. Donc aujourd'hui, à travers votre smartphone, à travers votre portable, vous pouvez véritablement aujourd'hui souscrire à tout produit d'assurance et payer de manière digitale. Automatiquement, vous avez votre contrat et il n'y a plus de tracasserie. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez plus besoin de vous déplacer. À l'époque, bien évidemment, lorsque vous voulez un contrat, vous vous déplacez, vous allez chez la compagnie, vous remplissez un questionnaire, vous revenez, quelques jours après, on vous envoie effectivement un devis. Aujourd'hui, en un clic, tout cela est fait et payé de manière digitale. La corporation a validé effectivement ce projet. Il faut savoir que depuis un mois, tous les tests sont en train d'être faits au niveau des professionnels. Les choses se passent très bien et avec l'autorité de tutelle, nous avons décidé effectivement de lancer la plateforme le 21 juin. Donc ça veut dire à partir du 21 juin, toutes les souscriptions pourraient être faites avec votre smartphone, avec effectivement votre portable. Wow. Et la cérémonie solennelle se fera effectivement le 27 au patronat. D'accord. Alors, M. Koulibaly, cette plateforme-là, elle est révolutionnaire, hein, ici, on peut le dire. Mais quand on sait que ici, sous nos cieux, le taux d'alphabétisation est très bas, est-ce qu'il y a eu des études pour essayer de comprendre comment le phénomène pourrait être résorbé dans l'utilisation de la plateforme? Oui, tout à fait. En fait, comme nous avons dit, cette plateforme a été pensée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment interactive. Lorsque vous allez sur la plateforme, vous allez choisir, c'est très visible, vous allez choisir effectivement votre produit et en fonction effectivement de votre garantie, vous avez des images. Donc même ceux qui ne sont pas allés à l'école, comme on dit, ils peuvent effectivement souscrire. Donc voilà un peu la révolution. Donc quel que soit effectivement votre niveau, vous pouvez aujourd'hui souscrire au produit d'assurance. Aujourd'hui, comme on dit, tout le monde a un mobile money. Est-ce que vous voyez, même au village, on pense qu'effectivement, nos parents ne savent pas utiliser le téléphone et tout ça, mais aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde peut souscrire à un produit via le téléphone. Donc, c'est vraiment simple aujourd'hui, que toute personne aujourd'hui peut souscrire à ce produit. Alors, concrètement, comment ça se passe? Je veux voyager. Je veux aller en vacances, ou bien je viens d'avoir un nouveau véhicule, une nouvelle voiture, je veux m'assurer. Qu'est-ce que je fais concrètement? Concrètement, comme j'ai dit, en fonction de votre besoin, vous allez choisir effectivement votre produit. Donc, si vous avez des images, l'idée c'est que lorsque vous allez, par exemple, vous avez un nouveau véhicule, vous allez d'abord faire un devis.
L'idée, c'est de savoir combien vous devez payer. La plateforme a été faite de telle sorte que, dans un premier temps, vous mettez uniquement les éléments de votre produit et qui va vous sortir après la prime. Donc, les éléments pour un véhicule, c'est la valeur neuve. Donc, vous avez payé votre véhicule. La valeur vénale, donc la valeur d'aujourd'hui, la date de première mise en circulation, le nombre de places, la puissance fiscale, l'énergie. Vous rentrez toutes les informations. Toutes les informations qui sont sur votre carte grise en réalité. Donc vous n'avez plus besoin d'appeler quelqu'un, vous allez vous-même et automatiquement, lorsque vous entrez ces informations, vous avez automatiquement la prime. Et après effectivement avoir vu la prime, maintenant vous pouvez passer. Je veux dire, au paiement. Donc, en assurance, il y a l'assuré, il y a le souscripteur. Ça veut dire, vous, aujourd'hui, vous pouvez payer pour le compte, effectivement, de votre frère, de votre enfant, s'il doit voyager, tout ça. Donc, le processus physique a été retranscrit en digital. Par exemple, mon assurance est finie aujourd'hui. J'ai oublié le temps d'aller souscrire à une nouvelle. Je peux prendre une assurance d'une semaine, là, rapidement, de ma voiture. Bien évidemment, bon, il y a des périodes de garantie. Donc, bien évidemment, pour l'assurance auto, le minimum, c'est un mois. Donc, vous pouvez souscrire et donc le système est fait de telle sorte que vous avez toujours des relances. Là, à l'antenne, par exemple, c'est à ce genre de... Voilà. Vous avez vu, là, c'est le devis. Donc, l'idée, c'est la première étape. Donc, vous rentrez les informations en un clic. Ensuite, la prochaine étape, comme on dit, c'est le montant des primes en fonction des garanties que vous avez choisies. Et ensuite, vous passez automatiquement au paiement. Donc, voilà un peu. Et donc, après, l'information, bien évidemment, c'est le digital. L'idée, c'est de dire que toutes les parties prenantes sont informées en même temps. Vous avez automatiquement votre contrat dans votre mail. Vous avez l'information sur votre téléphone portable. Et à tout moment, vous pouvez présenter effectivement votre contrat. Donc, il y a vraiment plus de problèmes à avoir peur maintenant de souscrire à des produits. Ça a été possible, comme j'ai dit, grâce effectivement à la volonté politique, hein, depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les ATIC, qui est une école effectivement qui forme des cadres dans le domaine effectivement de la digitalisation. Et aujourd'hui, grâce à cette synergie, on peut aujourd'hui faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et donc, c'est pour cela que je tiens aussi à remercier l'État, parce que c'est important de dire qu'il faut qu'on mette des outils à la disposition des entrepreneurs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un partenariat public-privé, bien évidemment, qui a permis d'avoir ce type d'outils qui était impensable, je vous dis, il y a 5 ans. Voilà, donc voilà un peu ce que je veux dire sur ce partenariat-là aujourd'hui qui a conduit à ce type d'innovation. D'accord, c'est bien expliqué. Alors, dans le cas spécifique de l'assurance des véhicules, par exemple, oui. Hein, ce qu'on constate sur le terrain lors des routines de sécurité, on présente l'assurance, les documents afférents au véhicule. Comment ça va se passer si notre assurance est digitale? Oui, mais aujourd'hui, il y a deux éléments. Bien évidemment, l'assurance auto, il y a une partie digitale, une partie physique. Aujourd'hui, on n'a pas encore dématérialisé effectivement l'attestation. Donc, comme on dit, le petit papier jaune. Mais les choses sont en train de se mettre en place. Je pense que la volonté aussi au niveau de l'association, de la corporation est là. Mais dans un premier temps, nous allons, comme on a dit, faire le digital au physique. Donc, en fonction, lorsque vous payez effectivement votre prime, parce que c'est ça qui déclenche le processus, vous avez le choix entre aller vous-même retirer l'attestation ou vous faire effectivement livrer. Voilà. Donc, aujourd'hui, en un clic, vous avez le choix. Par exemple, je prends un exemple. Comme on a dit, c'est la corporation qui a admis ce projet. Donc, tout le monde est impliqué. Je prends un exemple. Vous êtes à Yopougon. Vous choisissez une compagnie qui a des partenaires, qui a des relais. Donc, lorsque vous souscrivez dans le processus, vous dites, je veux aller prendre mon assurance à Yopougon. Donc, on vous donnera la liste des partenaires de la compagnie avec laquelle, effectivement, ces partenaires là, vous choisissez. Monsieur Koulibaly, c'est un comparateur de prix par défaut? Non, en fait, si vous voulez, c'est un comparateur, oui et non. Parce que l'idée d'abord, de départ, c'était de dire, nous allons mettre une plateforme commune à tous les assureurs et vous choisissez effectivement votre assureur. Donc, c'est cette idée-là qui a été d'abord mise en place. Mais
le comparateur se fait physiquement, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous pouvez aller aujourd'hui dans une compagnie, vous pouvez faire 10 compagnies, vous avez les tarifs. Donc en réalité, avec le digital aujourd'hui, c'est la même chose. Donc je vous dis, rien ne change, on facilite la tâche effectivement, puisque on peut aujourd'hui avoir l'information en temps réel sur nos supports digitaux. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il y aurait un nivellement des prix, des cotations pour ne pas favoriser telle ou telle personne, puisque c'est un groupe, hein. Ouais. Non, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, nous sommes dans une économie de marché. Mais il y a des assurances obligatoires, voilà, qui sont, dont les tarifs sont connus sur le marché, notamment la responsabilité civile. Donc, les assureurs se sont engagés à respecter tous ces tarifs. Donc aujourd'hui, il y a des tarifs uniques. Donc quand vous allez sur la responsabilité civile, quel que soit l'assureur, vous avez le même montant. Bien évidemment, pour les garanties complémentaires, comme nous avons dit, nous sommes dans une économie de marché et donc les prix varient en fonction d'une compagnie ou d'une autre. Mais vous avez le choix. Comme je dis, ce n'est pas forcément le moins cher qui est bon, ce n'est pas forcément le plus cher qui est bon. Donc vous avez aujourd'hui, comme on dit, le client est roi. Le client peut choisir son produit en toute sérénité, en fonction effectivement de son choix. Vous pouvez choisir un contrat parce qu'effectivement vous avez quelqu'un que vous connaissez et tout ça. Donc après, voilà comment ça fonctionne. Vous n'avez pas, je vais dire, vous avez le choix aujourd'hui. Toutes les compagnies sont là. Vous avez effectivement le choix de choisir laquelle des compagnies qui vous sied, en fonction de vos besoins, de vos critères. Et ça, c'est bon pour la Côte d'Ivoire parce qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes pratiquement les premiers, les uniques, on va dire, à faire ça. Ça va, j'espère, avoir une incidence sur le taux de pénétration de l'assurance dans notre pays qui est encore très bas, il faut le dire. Mais ça doit faciliter la tâche au gouvernement parce que je sais que dans un discours, le président de la République et le vice-président à l'époque avaient vraiment cette volonté-là que le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire puisse s'élever. Et ça, il faut vraiment féliciter aussi les ADIC qu'on ne connaît pas assez mais qui fait énormément un bon boulot. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, dans sa vision, le chef de l'État avait dit qu'il faille qu'en 2020, on soit émergent. Et donc, les ATIC a été créé par décret présidentiel en 2012. Donc, vous voyez que c'est la promotion, effectivement, des ingénieurs qui a réussi à mettre, effectivement, cet outil-là. Et donc, aujourd'hui, avec les ressources humaines que nous avons aujourd'hui la possibilité de faire ce qui était impensable. Donc, vous avez parlé effectivement de la première plateforme dans la zone CIMA, effectivement. Et ça, c'est pour cela que je dis, c'est une volonté effectivement des autorités des assurances en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois, rappelez-vous effectivement du pool TPV. C'était une initiative aujourd'hui, c'est une initiative qui a été copiée par les autres marchés. Et donc, le pool TPV, et même aujourd'hui, la MATCA par exemple, qui est la coopération des taxis, c'était aujourd'hui une volonté de l'association des assureurs de réglementer un certain nombre d'acteurs. Donc aujourd'hui, ça marche. Donc lorsqu'il y a la volonté, vous voyez, avec la volonté, on peut tout faire. Aujourd'hui, nous sommes le premier marché à avoir cette plateforme. Et je pense, bien évidemment, qu'avec effectivement la digitalisation, on pourra atteindre les cibles. Et voir aujourd'hui, vous voyez, les chiffres du digital, effectivement, parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, selon le dernier recensement, chaque ménage au moins un téléphone portable. On a 25 millions de téléphones portables. Bien évidemment. Et donc, ça veut dire que de chez vous, on peut souscrire aujourd'hui à l'habitation. Et aujourd'hui, vous voyez tous les incendies qu'il y a. Les inondations même. Avec les inondations, avec les catastrophes naturelles. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas peut-être aller un peu plus loin en disant, peut-être qu'on peut maintenant, avec tous ces canaux qui sont là, demander aux Ivoiriens de vraiment souscrire à ce type d'assurance qui sont pas chers. Quand vous allez effectivement voir la plateforme, vous pouvez faire. On a fait la simulation, on a vu qu'il y a des prix. Il y en a pour toutes les bourses. Mais bien évidemment, les gens, comme j'ai dit, on a l'impression que l'assurance aujourd'hui, ce n'est plus, c'est plus opaque. Donc les gens pourront découvrir les tarifs. On pense que c'est seulement les riches qui doivent avoir l'assurance. Mais non, c'est parce que on est dans un état ou du moins dans une situation. Les formules de 10 000, de 15 000, de 27 000, Bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, les choses bougent, les lignes bougent dans le domaine des assurances. Nous pensons qu'avec cet outil, la population ne va plus incriminer les assureurs. Hein, parce qu'il y a cette étape-là de la souscription, mais aussi, bientôt, il y aura aussi la gestion des sinistres qui va clôturer le processus qui est en train d'être enclenché à travers, effectivement, cette technologie qu'on connaît bien, la blockchain, pour la gestion des sinistres.
Monsieur Koulibaly, dans tout votre développement, on sait bien que vous collaborez avec l'État, on va dire, le secteur public et le secteur privé. Quelle est votre collaboration avec notamment les institutions de sécurité de l'État? Parce qu'on veut que nos institutions se digitalisent de plus en plus pour essayer d'éliminer l'utilisation abusive des papiers et autres. Dans ce sens-là, qu'est-ce qui est fait? Tout à fait, vous faites bien de me poser cette question. Il faut dire que dans le courant effectivement de ce projet, nous avons été reçus par le commissaire Amoakon, qui est le commandant de la voirie publique, avec qui nous avons échangé sur vraiment la possibilité de digitaliser effectivement les constats. Donc les choses sont en train de bouger, comme je vous ai dit, la volonté politique y est. Il faut savoir aussi que nous avons pour ce projet mis en place un comité consultatif qui est chapeauté par le directeur des assurances qui a un œil regardant sur ce qui est en train d'être fait. Bien évidemment, c'est notre autorité de tutelle. Et dans ce comité-là, il y a effectivement la police, il y a la gendarmerie, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'écosystème des assurances, notamment en ce qui concerne la gestion des sinistres, ce sont des acteurs incontournables. Donc les choses sont en train de bouger. Je pense, comme je vous ai dit, d'ici la fin de l'année, nous aurons véritablement de très bonnes nouvelles et la gestion, je veux dire, des sinistres, qui est un problème réel en vérité, sera, je dirais, en partie, en tout cas, beaucoup résolue grâce aux actions qui sont menées par l'État et par le secteur privé. Monsieur Koulibaly, vous savez, quand on parle de tout ça, c'est bien, mais quand on parle d'argent, vous connaissez les gens, on est tout de suite, il y a beaucoup de précautions là. Alors, au niveau de notre argent, du paiement, est-ce que la sécurisation est de mise? Parce qu'il y en a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il dit, mais ah, c'est fait par des jeunes Ivoiriens. Ce n'est pas parce que c'est fait par des jeunes Ivoiriens que ce n'est pas sécurisé. Il faut avoir confiance. C'est vrai, il y a des fois des moyens de ne pas avoir confiance, mais généralement, il faut avoir confiance aux jeunes pétris de talent, au Made in Côte d'Ivoire. Ouais. Est-ce que c'est sécurisé? Oui, mais comme je vous dis, vous savez, aujourd'hui, le mobile money a explosé. Il y a 10 ans, rappelez-vous, lorsque... Oui, mais il y a des choses à revoir aussi. Il y a des failles, aussi. Hein. Oui, des failles, mais en réalité, il y a toujours des conseils. Généralement, les failles ne viennent pas d'autrui, les failles viennent de nous-mêmes, généralement. Et ça, comme je dis, il faut faire attention. On demande effectivement de ne pas, par exemple, donner son code secret à quelqu'un, ça ce sont des conseils. Pour le paiement par exemple, le paiement aussi, je dis c'est transparent. Vous savez, comme j'ai dit, nous sommes dans le milieu des assurances, l'assurance c'est la confiance. Cet outil a été élaboré depuis, comme je vous dis, 3 ans, il est à terme. Donc toutes les failles, en tout cas tout ce qui était... Il y a eu plusieurs tests. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits au niveau de la corporation et c'est en ce sens-là que je salue toutes les commissions techniques de l'association des assureurs qui a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour vraiment recommander cette plateforme au public. Voilà, donc la dernière étape de toutes ces validations, ça a été la validation de la commission informatique de l'ASACI qui est pilotée par un directeur général qui est lui-même informaticien. Donc vous voyez que les conditions de sécurité ont été passées au peigne fin et donc c'est à la suite effectivement de toutes ces étapes que cet outil a été recommandé par l'ASACI à toute la corporation. Donc je tiens à vous rassurer qu'en ce qui concerne le paiement, c'est les canaux de paiement que nous connaissons, tous les mobile money et bien évidemment le paiement par carte bancaire. Donc je rassure, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous prenez votre carte bancaire, vous payez, c'est le même principe. Les terminaux de paiement sont connus. Donc nous n'avons pas de canaux de paiement propres, effectivement. Nous travaillons, comme je dis, en synergie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ce projet, bien évidemment, a eu l'assentiment de tout le monde, parce que tout le monde est impliqué. Nous avons effectivement nos partenaires, les mobile money, avec qui nous avons travaillé. Nous sommes en partenariat. Donc, oui, bien évidemment, nous sommes en partenariat, puisqu'ils sont partie prenante, effectivement, de ce projet. Donc, à ce niveau-là, tout a été, je dirais, en tout cas, pensé pour que la population ait accès aux produits d'assurance. C'est ça le plus important aujourd'hui, je pense. Et la corporation est en train de faire beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes au niveau de la souscription, bien évidemment, l'accès des produits, ce qui était un élément beaucoup demandé par la population. Et bien évidemment, ça suivra avec la gestion des sinistres. Avec la plateforme, vous pouvez déclarer aussi vos sinistres. On part déjà sur la déclaration des sinistres. Et après, on partira vers
bien évidemment, la gestion complète des sinistres et le paiement automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez avoir un sinistre, bientôt, lorsque le sinistre est bon à payer, vous pouvez effectivement recevoir l'indemnisation sur votre mobile ou sur vos comptes bancaires. Dans un délai bien réduit. Bien évidemment. Alors, on a parlé de cette plateforme-là, mais on n'a pas son nom. On ne sait pas comment y aller sur Internet. Comment ça se passe? Voilà. La plateforme, c'est Easy Assure. Donc, Easy Assure, s'assurer facilement. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes en période... Pourquoi pas un nom ivoirien? Je sais pas. Oui, mais parce qu'aujourd'hui... Non, pas anglo, mais parce que... Easy Facile. Easy Facile. Easy Facile parce qu'aussi, nous sommes... Il faut prendre en compte tous les aspects. Le village planétaire. Tous les aspects, voilà, le village planétaire, easy, en Côte d'Ivoire, on sait, easy, c'est simple. Et donc, en ce qui concerne, comme vous dites, l'accessibilité, aujourd'hui, nous sommes en période test, comme je vous ai dit, la plateforme est accessible aujourd'hui à tous les professionnels depuis un mois pour faire tous les tests, donc les retours sont positifs, comme j'ai dit. Avec l'autorité de tutelle, comme nous avons dit, nous avons décidé effectivement de lancer solennellement la plateforme le 27, comme j'ai dit, au patronat. Mais une semaine avant, il y aura les souscriptions, le début des souscriptions. Donc, bien évidemment, la presse sera invitée. C'est le 21 juin, donc je peux donner la date du début des souscriptions. Oui, c'est le 21, d'autant plus que c'est... C'est le 21 juin, donc tout le monde pourra souscrire à partir du 21 juin. Mais la cérémonie solennelle se fera une semaine après au patronat avec, bien évidemment, toutes les autorités compétentes. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes spécialiste en assurance. Avec vous, nous évoquions cette fameuse plateforme qui va, de façon digitale, faciliter les échanges et surtout la vie, hein, tout simplement, des assurés et des assureurs. Et on espère qu'il y aura le minimum de bugs possible. Parce qu'on a vu avec ce qui s'est passé en France, avec les déclarations de revenus, il y a eu un bug parce que 5 millions de personnes se sont connectées en même temps. Est-ce qu'on est à l'abri de ça en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme répond à toutes les nouvelles technologies. C'est une plateforme qui est hébergée effectivement dans des serveurs cloud qui peuvent être, je vais dire, flexibles à tout moment. On peut attaquer avec des millions de connexions à la fois. Donc, comme je vous dis, ne vous en faites pas. Les développeurs ivoiriens sont talentueux. Non, mais tellement talentueux qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas penser qu'on pouvait faire ça. Et c'est au mérite, effectivement, de l'État à travers, effectivement, les ATIC. Merci infiniment. Alex, vous êtes convaincu, hein, on va s'assurer maintenant. On va le faire à partir du 21 juin, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ça, 21 juin. Donc, rendez-vous est pris pour le 21 juin. Entendu. Pour l'heure, le rendez-vous qui suit, c'est la pub et Mr. Friday juste après. Petit souci technique, je crois qu'on va revenir. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que tout à l'heure, nous allons discuter avec M. Delors Inabo, qui est déjà là. Avec lui, nous allons parler donc du sponsoring et du mécénat. Ah là là, parce que ça, c'est une véritable mafia, le sponsoring dans notre pays, dans nos pays africains. Puis le mécénat aussi, comment ça se passe? Comment c'est régi tout ça? Alix, c'est vrai, parce qu'on a des fois des artistes talentueux qui se produisent et puis il y a pas de sponsor, alors qu'il y a des artistes non moins talentueux qui ont tous les sponsors, même si le talent n'est pas au rendez-vous. Et comment le secteur est régi, hein, avec la tutelle notamment, comment ça se passe? C'est un no man's land où c'est bien régulé. On va avoir toutes ces informations avec M. Delors. Monsieur Koulibaly, vous qui êtes, c'est vrai que vous êtes là pour l'assurance, mais bon, on profite aussi de votre... Ça crée des capitaux. Vous êtes dans le monde du travail, tout ça. Ça vous arrive de gérer du sponsoring ou bien du mécénat? Oui, mais bien évidemment, vous savez, ça dépend. Cela dépend, comme je dis, des situations. Sinon, il est important aujourd'hui de financer, je vais dire, la jeunesse, hein, de financer des actions qui peuvent avoir un impact réel sur la population. Donc, je pense que... Au niveau de l'assurance, il y a beaucoup de sponsors en assurance. Bien évidemment, c'est pour ça que je dis, vous voyez, le fort impact social. Nous avons les compagnons aujourd'hui qui sponsorisent beaucoup d'actions dans le domaine du social. En tout cas, en ce qui concerne les assureurs, nous avons même une obligation de faire. Et effectivement, c'est pour cela que le volet social est un élément important. Donc, le sponsoring dans le volet social, nous avons aussi des acteurs qui vraiment encouragent la création, l'innovation, hein, dans le milieu. Donc, je pense qu'au niveau des assurances, ça se passe très bien. Et parlons de culture, hein, c'est sûr que pour tous les spectacles, il faut aussi des assurances qu'on peut retrouver sur la plateforme. Mais bien évidemment, à travers votre entreprise professionnelle, vous n'avez qu'à remplir effectivement un questionnaire. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Vous remplirez un questionnaire en fonction de votre branche d'activité.
Et vous avez d'ici quelques clics, hein, d'ici quelques minutes. Le seul lien qu'il n'y a pas, c'est si vous devez aller sur la Lune. Là, il n'y a pas encore l'assurance. C'est pour vous faire sourire. Non, mais l'assurance est transversale, c'est tous les métiers. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de s'assurer. Vous pouvez vous assurer parce que, comme on dit, le risque, c'est la probabilité. Monsieur Govoy, quand vous sortez, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait jamais, donc il faut s'assurer. C'est quand rien ne se passe que tout peut arriver. Voilà, donc moi, c'est une anecdote. Moi, je dis, j'ai eu plusieurs contrats d'habitation. Le client vient et me dit, non, la maison de mon voisin a brûlé, ça allait venir chez moi, donc je viens m'assurer. Donc voilà, on pense seulement que ça arrive aux autres, alors qu'en réalité, on n'est pas loin. Merci en tout cas pour vos conseils, vos précieux conseils. Puis on salue tous ces magnifiques étudiants et développeurs ivoiriens. Merci d'être à Matin Monnaie, le rendez-vous de l'information utile.